Voilà. Rêve Tov, excusez-nous pour le petit retard. Reprenons là où nous sommes restés la dernière fois, c'est-à-dire les dernières lignes que nous avons lues, mais que nous n'avons pas eu le temps de commenter complètement. Nous sommes dans Psachim, deuxième chapitre, page 27b. Et donc, nous reprenons dans la Gemara. V'cholecha dema la masik nafke le chulin. C'est à peu près face au Tosfot Ekdesh Afilu Belef Lobatil, en face de la première ligne de ce Tosfot. La Gemara avait demandé, on avait vu plus haut, on avait admis un postulat, un théorème, que lorsqu'il y a quelque chose qui est kadosh, qui est sacré, consacré, et que quelqu'un en tire profit, ce qu'on appelle Meila, automatiquement, ça entraîne la sortie de l'objet sacré dans le profane. Il perd son caractère sacré pour redevenir profane. C'était un postulat et un théorème qu'on avait admis de façon certaine. Et là, la Gemara l'a remis en question. Et elle dit, « Cholecha de mal à Massik, nafke le chulin. » Alors Massik, c'est, alors on parle de celui qui... On parlait de pas n'importe quel profit. On avait donné comme exemple le cas de celui qui allume un feu. Il y a du bois qui appartient au Hekdesh, et quelqu'un allume un feu avec ce bois pour faire, par exemple, cuire du pain. Et donc là, il tire un profit du bois consacré, et donc ça s'appelle Meïla, et ça rend le bois Khulin. Et c'est ça que la Gemara remet en question. Est-ce que vraiment, dans tous les cas où celui qui a allumé le feu a tiré profit, ça va avoir pour conséquence que le bois devient profane? Vatania. Mais pourtant, il y a une braïta qui dit le contraire. D'une manière générale, tout ce qui est interdit au profit, mais pas le sacré, il y a d'autres choses qui sont interdites au profit et qui doivent être brûlées, comme par exemple le notar, le sacrifice qui a dépassé la limite de temps et qui doit être brûlé. Et bien, quand toutes ces choses-là qui doivent être brûlées, une fois que c'est réduit en cendres, la cendre devient, elle, permise au profit. C'est-à-dire, l'interdit de jouissance ne se transmet pas, ne se transpose pas sur la cendre. Chutz a deux exceptions près. Mais Atse Hachera, le bois appartenant à l'idolâtrie, un bois participant à un arbre qui est adoré comme Dieu, ça c'est Asur Bana'a. Et même si on le brûle et qu'on le réduit en cendre, et bien la cendre restera interdite au profit en tant que résultant d'une idolâtrie. Ve'efer Hekdesh, l'olam Asur. Et de la même façon, de la cendre qui provient de quelque chose de sacré est toujours interdit. Alors ça contredit ce qu'on a dit. Si on parle de Efer Hekdesh, c'est donc qu'il y a bien eu quelqu'un qui a mis le feu au bois qui était kadosh. Et on voit ici que ça reste interdit, malgré le fait qu'il a fait Meïla, qu'il a tiré profit. Donc ça contredit complètement ce qu'on avait dit jusqu'à présent. Alors on va voir deux réponses de la Gemara. La Gemara répond, Amar Rami Bachama. Première réponse donnée par Rami Bachama, que Gonche Nafla de l'Eka Meelea Beatze Ekdesh de l'Eka Inish de Nimol. Eh bien, c'est un cas particulier. En temps normal, le cas classique dont on a parlé, on maintient ce qu'on a dit. Quelqu'un qui met le feu à du bois pour en profiter, ça s'appelle Meïla et ça rend le bois Khulin. Mais ici, on parle d'un cas, chez Nafla de l'Eka Meelea, où le feu est parti tout seul, il y a eu un incendie. C'est pas quelqu'un qui l'a volontairement allumé pour en profiter. Il y a eu un accident, et il y a eu un feu qui s'est propagé, et qui a brûlé le bois. Donc là, il n'y a personne qui tire de profit. Dans ce cas-là, donc c'est ce que dit la Gemara, « Chez Naflad Lekam Elea, il y a un incendie qui est tombé sur le bois de lui-même, Batse Ekdesh sur du bois sacré, de l'Ekaïn, Nish de Nimol, il n'y a eu personne pour en profiter. » Et puisqu'il n'y a eu personne pour en profiter, ben c'est normal, c'est des kadosh, ça reste kadosh. Je marque ici une première pause. Il y a une question que pose le Sfat Emet. Il dit, oui, mais c'est tellement évident que si on a un bois de Hekdesh qui brûle sans qu'on en profite, qu'on dit que ça reste kadosh, c'est évident.
puisque la seule raison qui ferait que c'est pas kadosh, c'est qu'on en tire profit. Mais comme on a dit ici que personne n'a tiré profit, donc c'est sûr que ça sera, ça restera sur Bana'a. Quel est le, si on explique la Braïta dans le cas de Rami Bachama, quel est le chidouche de la Braïta? La Braïta nous donne un enseignement que n'importe quel enfant aurait su. Voilà la question du Sfat Emet. Il n'y a pas de raison de penser que ça ne serait pas Assur Bana'a, puisqu'il n'y a rien eu qui s'est passé. C'était sacré. Ce qui est sacré, Assur Bana'a. Ça a brûlé sans que personne en tire profit. Ben, c'est Assur Bana'a. La cendre, elle reste Assur Bana'a. Qu'est-ce que la Braïta vient me dire? On n'a pas le droit de faire dire à une Braïta une la palissade. Donc, quel est le pshat? Voilà la question du Sfat Emet. La réponse. Alors, est-ce qu'il répond, le Sfat Emet? Non, il ne répond pas. Il ne répond pas. Moi, j'ai pensé à une idée. C'est de dire qu'on aurait pu penser qu'il y a un principe, qu'on appliquerait ici un principe qu'on applique dans d'autres circonstances, qui est Panim Khadashot Baou le Khan. On voit ce genre de choses dans d'autres registres, que si quelque chose est complètement transformé, alors, même s'il y avait un interdit qui pèse dessus, l'interdit disparaît. Pour donner un exemple halakhique classique, il y a, pour ceux qui considèrent que le chalav akoum est assour. Enfin, de toute façon, le chalav akoum, un vrai chalav akoum est assour. Un chalav qui a été du lait, qui a été trait par un goy dans un endroit où il n'y a aucun éther possible, pas la goy du pays ou ce genre de choses. Donc le lait est assour, et assour midrabanan. S'il a été transformé en poudre de lait, eh bien, il y a un auteur, un grand décisionnaire, Rabbi Chaim Ozer Grozensky de Vilna, qui dit, on applique le principe de Panim Khadashot Baou le Khan. C'est un nouveau corps, c'est quelque chose de nouveau, et donc ce qui était interdit n'est plus là, et là ça devient permis. Et c'est là-dessus que se base souvent, même dans les cas où des gens sont marmir, on trouve des gens qui sont marmir sur Stam Khalab, et par contre permettent l'Avkat Khalab. Par exemple, en Eretz Israël, les critères de la Rabbanout Arachit, du Stam Khalav et Assour. Ils n'acceptent pas un produit au lait contenant du lait qui a été produit par les non-juifs. Mais s'il est transformé en poudre, alors c'est permis. Donc, c'est le principe de Panim Khadashot. C'est juste une illustration. Et donc, on aurait pu penser que ce principe de Panim Khadashot a été dit aussi pour le Hekdesh. On avait du bois qui était sacré. Maintenant, il a brûlé, il est devenu de la cendre. C'est plus la même chose. C'est comme un peu comme du lait qui est transformé en poudre. Et donc, dans ce cas-là, on aurait pu croire que le din, le yissour, s'en va. Et le chidouche, c'est que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme un yissour achila et que le yissour reste. Donc, on peut trouver un chidouche, malgré tout. Ça, c'est la réponse de Rami Bachama. Deuxième réponse, on revient à la Gemara. Rav Shmaya. Shmaya Amar. Be'otan she'teunin geniza, que là, la Braïta, quand elle dit que la cendre reste interdite, alors que nous on a dit, mais c'est pas logique, puisque celui qui l'a allumé, il a tiré profit, on parle ici d'une cendre particulière. C'est une cendre qui, même lorsque on l'a brûlée, la Torah exige qu'elle soit enterrée, parce que la Torah nous dit, elle reste à Sourbana. De quoi s'agit-il? Il s'agit de Trumat HaDeshen, de Tanya, et on rapporte la Braïta qu'on avait déjà vue plus haut par rapport à la Trumat HaDeshen. Je rappelle que la Trumat HaDeshen, c'est que lorsqu'on, sur l'autel qui avait servi à brûler les holocaustes, chaque jour, à la fin de la nuit, quand on a brûlé les quantités de sacrifices d'une journée entière, il y a énormément de cendres sur l'autel. Il fallait les enlever, il fallait le balayer, le mettre hors du camp. Mais avant ça, il fallait faire un prélèvement d'une petite quantité de cendre, et celle-là, on la posait à côté du Mizbeach et on l'enterrait sur place. Et ça on l'apprend de Vesamo, c'est dans le début de Parashat Tzav, Vesamo et Tzela Mizbeach, on la posera à côté de l'autel. Et donc on avait dit, pourquoi il y a écrit Samo? Pour nous dire, il le mettra, Benachat, il doit le poser doucement, Vesamo Kulo, intégralement, le samo shelo yefazer, il doit faire attention à ce que ça ne se disperse pas. Donc on voit que c'est quelque chose qui reste encore kadosh. Donc le Trumat HaDeshen, il a beau avoir été brûlé, et à la limite on peut dire que celui qui l'a brûlé, il en a profité, mais, mais,
Mais de ça, même si l'on a profité, ça ne change rien, parce que la Torah a spécifié dans ce cas-là que ça reste un sourd, que c'est qu'il reste Kadosh et qu'il faut l'enterrer. Et donc, évidemment, dans ce cas-là, ça restera sourd. Mais dans tout autre cas, où il y aura une Meïla, eh bien, ça sera permis. Voilà, donc finalement, a priori, les deux réponses se valent en vérité. Les deux réponses consistent à dire, en vérité, chaque fois qu'on brûle du bois pour en tirer profit, ça s'appelle Meïla et ça désacralise le bois. Là, on a une Braïta qui nous dit que ce n'est pas le cas. C'est un cas particulier. Alors, Yerami Bahama, il dit, c'est quoi le cas particulier? Il y a un incendie, personne n'a tiré profit. L'autre cas, on parle de Troubat HaDeshen, où la Torah elle-même me dit que c'est interdit. La question qu'il peut se poser, c'est, quelle est la machloket entre eux? Pourquoi? Le premier, il a donné un très bon terroir. Pourquoi est-ce que Rav Shmaya, il va trouver un terroir qui paraît un peu plus sophistiqué de dire qu'on parle de Troubat HaDeshen? La première réponse, elle n'est pas bonne. Alors le Saint-Émet se casse la tête là-dessus. Il dit, a priori, j'aurais pensé qu'effectivement, si Rav Shmaya a dû chercher un autre terroir, c'est qu'il n'est pas d'accord avec Rami Bahama. Et qu'il pense, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'il pense que même s'il y a un incendie dans le bois, il n'y a pas eu de Hana'a, mais que malgré tout, ça perdrait sa Kedusha. Là, on retrouverait un peu la Svara que j'ai voulu dire de Panim Khadashat Baoulokan. Et alors, c'est pour ça qu'il dit, donc on ne va pas parler de ça, il faut dire qu'on est dans Panim dans Troubat HaDeshen. Mais après avoir longuement recherché, réfléchi, il dit non, c'est pas ça. C'est pas ça la machloket. En fait, ils sont tous d'accord sur le plan du din. Simplement, Rav Shmaya a dit, je peux trouver encore un autre terroir, mais sans exclure le premier terroir. Voilà les différents commentaires que je voulais rajouter à ce qu'on a dit la semaine dernière. Et il m'en reste un dernier qui est peut-être le plus fort au niveau de la du questionnement. C'est là encore, c'est le Sfat Emet qui est décidément très présent sur ces quelques lignes. Il dit, alors reprenons le texte. La Gemara a dit, est-ce que vraiment celui qui tire, qui fait Meïla, celui qui allume un feu et en tire profit, est-ce que vraiment ça désacralise le bois? Voilà une Braïta qui dit le contraire. Alors finalement, on dit non, la Braïta parle d'un cas particulier. Il demande, mais quelle était la Havamina de celui qui a posé la question? Est-ce que celui qui a posé la question, il croyait vraiment que même lorsque on est né et on fait Meïla, eh ben, ça ne désacralise pas? Mais c'est quelque chose qui est admis par tout le monde. Alors, c'est vrai qu'il avait un problème avec cette braïta, mais là, il a l'air de remettre en question le principe. Comment il peut remettre en question un principe qui est complètement admis, que Kolecha de Mala Masik, chaque fois que celui qui est allumé, il a tiré profit, ça désacralise la chose. Donc, quelle était la Havamina? Alors il propose la réponse suivante. Il a pensé dire, bien sûr en général, quand on tire profit, ça c'est sûr, c'est le principe même, ça c'est sûr que ça, c'est pas remis en question. Prendre quelque chose qui est kadosh, en tirer profit, et ça le désacralise, ça c'est sûr. Là on parle d'un cas particulier de massic, c'est-à-dire quel ana'a il a? L'ana'a c'est, il allume le feu, il allume le bois provoque donc du feu. Ce feu va cuire du pain, et le pain, c'est ça qui va être l'objet de mon profit. Et donc, quand au moment où je tire profit de ce bois, le bois n'est plus là. Il n'y a que de la cendre. Et donc là, on aurait pu penser que pour que quelque chose qui était kadosh devienne chol, il faut qu'on ait de la substance. Il faut qu'elle soit là, encore que la substance sacrée soit toujours présente. Et alors, comme on en tire profit, alors elle est désacralisée. Mais si au moment où je tire profit, la substance qui était sacrée, elle n'est plus là, on ne peut plus lui faire de modifier son statut. Et donc, comme c'était Assur Bana'a, ça resterait Assur Bana'a. Pour vous illustrer ce que je dis, par exemple, quand on a dit qu'on peut racheter du Hekdesh, si on a du bois qui a été consacré, Kedushat Damim, pas Kedushat Haguf, vous vous rappelez qu'on a fait cette distinction, on a le droit de transférer la sainteté du bois sur de l'argent, et à ce moment-là, le bois devient profane et l'argent devient Kadosh. Mais pour pouvoir le faire, il faut qu'on ait
que ce qui est kadosh soit concret et physiquement présent. Mais s'il n'est plus là, il est transformé, c'est plus possible. Alors on aurait pu dire que c'est la même chose ici. Le bois, au moment où je tire profit, il n'y a plus de bois, c'est de la cendre. Cette cendre-là, elle provient de quelque chose qui est sourd, donc elle reste à sourd, mais on ne peut plus la transformer en lui enlevant son caractère sacré. Voilà ce qu'on aurait pu penser, et c'est la conclusion, et que ce n'est pas comme ça. Voilà la fin de notre premier module. Et maintenant, nous abordons un deuxième passage. Vous avez un intertitre dans la Gemara, au milieu de la Gemara, Rabbi Yehuda Omer, En Biur Vechoulé. Alors, il y a tellement longtemps qu'on a étudié ça. Hein, Pardon ? Ah ! Mais oui, merci. De nouveau, j'allais oublier. Merci Nathanel de me rappeler que je voulais faire les Tosfot. J'allais de nouveau oublier. J'ai tellement envie d'avancer. Ça fait qu'un an et demi. Hein. Voilà, ça fait qu'un an et demi qu'on a commencé la Mishnah. Alors, prenons Tosfot. Alors, le Tosfot Veraminu. Veraminu Kolan Israfin. Alors, au début, je me suis dit, mais nous, on n'a pas Veraminu. À quoi ça se rapporte? En fait, ça se rapporte à Vehatania Kolan Israfin Afaral Moutar. Ce que je viens de lire dans la Gemara. Kolecha de Mal Amasi, Nafke Okulin. Vehatania Kolan Israfin Afaral Moutar. Koutzvatse Hachera. Tosfot avait une petite variante. Veraminu. Et je t'oppose un texte de Braïta qui dit quoi ? Kolan Israfin veut rouler. Donc c'est cette question qu'on vient de voir, que la Braïta semble dire que Efer Egdesh l'Olam Asur, et pourtant la personne qui l'a allumé a tiré profit. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot ? Ave Matsile Ukme Beatsech Lami. Tosfot dit, bon, on a vu deux réponses dans la Gemara, celle de Rami Bachama. Et celle de Rav Shumaya, hein, qui dit que c'était un incendie, l'autre qui dit qu'on parle de Trumata Deshen. Tosfot dit, il y avait une troisième possibilité, facile à donner. On a vu plus haut que pour qu'il y ait Meila, il faut que ce soit Beshogeg. Et il faut que ce soit quelque chose qui appartienne à Kadosh Baruch Hu. On avait dit, si c'est Bemezid, il n'y a pas Meila. S'il n'y a pas Meila, il n'y a pas Père de Kedusha. Deuxième cas, c'était quoi? Atzeh Shlamim. On avait dit l'eshlamim, c'est-à-dire c'est du bois qui a été consacré pour qu'avec ce bois on le vende et on achète un sacrifice de shlamim. Rashi avait dit le sacrifice de shlamim, il appartient au propriétaire. Il est kadosh, parce que c'est quand même un sacrifice, mais il appartient au propriétaire. Et comme il appartient au propriétaire, il n'y a pas de din de me'ila. Me'ila, c'est offenser à Kadosh Baruch Hu en l'utilisant, mais là par définition c'est fait pour. Donc il n'y a pas d'offense, s'il n'y a pas d'offense, il n'y a pas de sortie en colline. Donc de la même façon qu'on avait dit plus haut que si on parle de Hatzé Shlamim, il n'y a pas de Yotzi à la colline, on aurait pu dire ici, quand on dit Eferek Desh Leolam Asur, on parle de Hatzé Shlamim. Donc c'était une réponse qui était tout à fait plausible et faisable, et simplement les Amoraïm ne l'ont pas dit parce que ça avait déjà été dit, mais ils ont cherché d'autres réponses. Deuxième et dernier Tosfot, Chutz Me'atzeh Hachera. On revient sur la première partie de la Braïta qui disait Kol Anisrafin, toutes les choses qui sont interdites au profit et que l'on doit brûler, si on les a brûlées, la cendre devient permise, à l'exception du bosquet sacré de l'idolâtrie. Qui lui, donc même si on l'a brûlé, eh bien, il va rester interdit au profit, comme l'était le bois originel. Teima le Rashba. Rabbi Shimshon ben Avraham de Sens est très étonné. Et là, il faudrait rajouter, c'est mieux, d'après certaines versions, c'est mieux, sinon on l'explique sans le dire, il faut rajouter les mots le Resh Lakish. Je vais vous expliquer pourquoi. Le Resh Lakish, Teve, Keavodat, Gilulim, Shenishtabra Melea, de Sharia. D'après Resh Lakish, cette braïta a fait problème. Parce qu'on devrait considérer ce Hatzeh Hachera qui a brûlé comme Avodat Gilulim, une idole, Shenishtabra Melea, qui s'est cassée d'elle-même. Imaginez que vous avez une idole, très très belle idole, et puis elle est tombée par terre et s'est cassée. D'après, alors c'est Marloquet, quel est le din? La question est, donc on a dit qu'une idole, elle est Asura Bana'a. Doraita, c'est très grave. Maintenant, si elle s'est cassée, quel est son statut?
Machloket, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, dans Avodah Zara. Rabbi Yochanan, il dit, bah, elle est Asura. Elle est Asura, c'est pas parce qu'elle est cassée qu'elle n'est pas Asura. Pour la seule, le seul moyen de faire disparaître la, le statut de Avodah Zara, c'est ce qu'on appelle Bitoul. Et pour ça, il faut que le Goy soit le propriétaire de cette idole, et que lui, il dise, je n'en veux plus, je la récuse comme idole. Le juif ne peut pas le faire, mais le Goy, s'il est propriétaire, peut le faire. Ça, c'est ce que dit Rabbi Yochanan. Et donc Rabbi Yochanan dit, là, il n'y a pas eu Bitoul, ça s'est cassé, mais il n'y a pas eu Bitoul. Donc s'il n'y a pas eu Bitoul, ça reste assourd. Resh Lakish dit, si il y a un bitoul implicite, automatique, de la part du propriétaire, même si on ne l'a pas entendu le dire, mais c'est sûr qu'il l'a pensé. Il dit ça de manière très savoureuse. Je l'ai noté. Resh Lakish matir, de mistama bitla. On présume qu'il a fait bitoul, mais mar amar, parce qu'il se dit, ihi nafsha lo atzla. L'idole elle-même, elle n'a pas su se protéger. Qu'est-ce qu'elle s'est cassé la figure? Si l'idole n'a pas su se protéger, est-ce qu'elle va me protéger à moi? Elle a fait preuve de son incompétence. Donc elle n'a pas besoin de dire c'est bâtel. Le fait qu'elle s'est cassée, ça le rend bâtel. Voilà le machloket intéressant entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Vous comprenez maintenant la question de Tosfot? Qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit ici, il y a eu un incendie. Et la Avodah Zara, elle reste Asura. Pour Rabbi Yochanan, c'est normal. C'est comme une Avodah Zara qui s'est cassée. Mais pour Resh Lakish, voilà une Avodah Zara qui a brûlé. Alors, il va dire le même raisonnement. Elle n'a pas su se protéger. Il va me protéger à moi. Donc c'est sûr qu'il va l'annuler. Donc d'après Resh Lakish, ça devrait être permis. Et la Braïta, il dit Asura. Voilà la question de Tosfot. Alors, encore une fois dans les mots, Tema le Rajba, le Resh Lakish. De Sharia. On devrait lui donner le statut d'une idole qui s'est cassée toute seule et qui, selon Resh Lakish, est permise. Kedamrina, le père et Kolat Slami. Comme la Gemara le dit dans Avodah Zara, dans le chapitre intitulé Toutes les idoles. Ve'el Omar, tu ne peux pas essayer de me répondre de Acha Maire Bachera Shel Israël, de Ella Bitul Olamit. Ah, t'as soit envisage quelque chose. On n'a qu'à dire qu'on parle ici d'une idole dont le propriétaire est un juif. Et ça, on a dit que si le propriétaire est un juif, il n'y a pas possibilité de faire bitoul. Donc même Resh Lakish est d'accord dans ce cas-là que ça reste assourd. Donc si on dit ça, le problème est réglé. T'as soit dit, mais tu ne peux pas me dire ça. Pourquoi? Dab sof Tmura, parce que à la fin du traité Tmura, page 34a, me faresh, la Gemara explique, de le achi lo arrive tani eferekdesh vachera lo lamasurin. Rashi avait fait allusion, parce que dans le texte de la Braïta, c'est écrit comment? C'est séparé. On a dit, chutz meatse achera, veferekdesh lo lamasur. On aurait dû les mettre les deux en facteur commun. On aurait dû dire chutz meatse achera, veferekdesh. Chez le Olam Asurim. Pourquoi on a scindé en deux? Lo Ire, lo Arrive Tani, on ne les a pas mélangés pour les enseigner. Eferekdesh Vachera, lo Olam Asurim. Mishum de Hachera, Yeshla Eter, Imsorfa, Ovet Kochavim, de Batla. C'est ce que Rashi avait rapporté. Parce qu'on ne peut pas les mettre ensemble, parce que le Ekdesh, on ne peut pas faire Bitoul de Ekdesh. Donc le Ekdesh restera le Olam Asur. À l'opposé de Avodah Zara, où il y a toujours une possibilité que le goy l'annule. Et c'est pour ça qu'on les a séparés. Mais quand est-ce que le goy peut l'annuler? Il peut l'annuler lorsque ça lui appartient. Quand ça appartient aux juifs, il ne peut pas l'annuler. Donc on ne peut pas dire qu'on parle d'un cas où ça appartient à un juif. On est obligé de dire que ça appartient à un goy. Et si ça appartient à un goy, la question revient après Resh Lakish. Et Tosfot ne répond pas à la question. Le Rajba reste sur Teima. Il reste en échec et mat. Je crois que ça peut appartenir soit à un juif, soit à un goy. Pardon? Je n'ai pas compris. Si ça appartient à un juif, il n'y a pas de bitoul possible. Ni le juif, ni un goy ne peut faire de bitoul. D'accord.
Et or, la Gemara se demandait pourquoi on n'a pas dit ici que le Olam Assour, on ne l'a pas mis sur le cas de Hachera aussi. Parce que le cas dont nous parlons est un cas où il n'y aura pas toujours le Olam Assour. Donc on englobe aussi le cas où ça appartient au Goy. Si on ne parle strictement que du cas où ça appartient aux Juifs, on ne peut pas dire alors c'est le Olam Assour. Si on dit c'est soit Juif, soit Goy. Il suffit qu'il y ait un cas possible parmi tous les cas possibles, qu'il y en ait un où on peut faire bitoul. Donc on ne peut pas dire le Olam Assour. Il suffit qu'on ne peut pas mettre le Olam en facteur commun. Si on considère qu'on a parlé des deux. Parce que, mais si on considère qu'on ne se préoccupe que d'une catégorie, oui. Et que cette catégorie, elle est le Olam Assour, ça marche plus. Oui. Ben oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé dans le Pnei Yehoshua qui cite son grand-père, le Maguiné Shlomo, qui lui, au contraire, il ne comprend pas la question de Tosfot. Nous, notre problème, c'était comment on va répondre à la question de Tosfot. Mais lui, il dit, moi, je ne comprends pas quelle est la question de Tosfot. Il a un problème dessus. Pourquoi? Parce qu'on peut répondre qu'on parle du cas où c'est le Israël qui l'a brûlé. Donc ça appartient à Israël. Alors on l'avait dit, mais si ça appartient à Israël, c'est le Olam Assour. Non, ça appartient à Israël. Et le Israël le brûle. Et il y a... Alors, il faut expliquer ça. Parce que la Gemara dans Avodah Zara, Daf Mem Bet, dit qu'un Israël ne peut pas annuler la Avodah Zara qui appartient à un Goy. Alors, la Gemara, elle dit, mais pour Esh Lakish, comment ça se fait? Pour Esh Lakish, si un... Donc, on parle ici... Donc, on ne parle pas du cas où ça appartient à un Juif. Ça appartient à un Goy. Qu'est-ce qui va se passer si c'est le Juif qui brûle la Avodah Zara d'un Goy? Alors, la Gemara dit, c'est pas Batel. La Gemara, elle attaque Esh Lakish. Dit, mais d'après Esh Lakish, le raisonnement de Esh Lakish, c'est toujours le même. C'est que le Goy, il va se dire, elle n'a pas été fichue de se défendre devant le Juif qui l'a brûlé, elle ne va pas pouvoir être fichue de me protéger à moi, donc je l'abandonne. Et pourquoi on dit que c'est Assour? Voilà ce qu'il y a écrit dans la Gemara de Avodah Zara. Et Esh Lakish répond, c'est une Gzera de Rabbanan. Midoraita, c'est vrai que Midoraita, si un Juif brûle la Avodah Zara du Goy, elle devient Batel. Mais les Chachamim n'ont pas permis. Pourquoi? Gezera Shema Yagbia à Avodah Zara Lifne chez Sorfo. De peur que le Juif, avant de la brûler, il va la lever. Et donc, apparemment, le Goy, lui, il est déjà à partir du moment où elle est menacée, il s'en désintéresse. Donc, ça devient Efker. Donc, quand il va la soulever, il fait Kinyan, ça lui appartient. Ça devient la Avodah Zara d'un Juif que le Juif ne peut pas annuler. Donc, Midrabanan, on a eu peur de ça. Tout ça, c'est écrit dans Avodah Zara. Nitzet Avodah Zara, Beyad Israël, Shenabitul Olamit. Alors, du coup, il dit, je ne comprends pas la question du le Rashba. Le Rashba dit, je ne comprends pas comment Esh Lakish va expliquer la Braïta ici de Hatzé Hachera, puisqu'on parle ici d'une Avodah Zara qui appartient à un Goy. Et si ça appartient à un Goy, ça doit être Batel. Non, il y a un cas où ce n'est pas Batel, c'est lorsqu'on parle d'un cas où c'était un Goy, mais c'est un Juif qui l'a brûlé. Et si c'est un Juif qui l'a brûlé, alors Midrabanan, ça n'est pas Batel. Et c'est pour ça qu'il y a écrit que qu'elle est Assoura. Alors donc on a une question sur Tosfot maintenant. Alors le Pnei Yehoshua va utiliser la question de son grand-père pour être meyachev le Rashba. Alors la question de savoir pourquoi le Rashba a posé la question, il n'a pas répondu comme le Maguilé Shlomo. Et en même temps, on va répondre quand même à la question de Tosfot. Alors voilà ce que propose le Pnei Yehoshua. Que le Rashba, il pense que quand la Braïta a dit « Chutz me'ashera, she'asura bana'a », c'est un din d'oraita.
il a compris que le din qui est écrit dans cette braïta, kol anistrafin, afaral mutar, chutz meatze achera, ve'efer egdesh, l'olam asur, c'est un din d'oraïta. Si c'est un din d'oraïta, on ne peut pas dire que ce qu'on a dit, que ça appartient à Goy et que c'est le juif qui l'a cassé, parce que d'oraïta c'est batté. Donc c'est pour ça que le Rajba ne peut pas se contenter de la réponse du Maguiné Shlomo, parce que lui il a compris qu'on parle ici d'un din d'oraïta. Et pourquoi il a compris qu'on parle d'un din d'oraïta? Parce que on avait dit la dernière fois, il y a kolani strafin afara mutar, kolani kbarin afara nasur. C'est ce kolani strafin afara mutar fait pendant à d'autres catégories où on dit que quand ceux qui n'ont pas à être brûlés mais qui doivent être enterrés, ceux-là, même si on les a enterrés et que ça s'est complètement décomposé, la poussière qu'on va retrouver reste à Sourbana. Et lui, il pense que le din de Kolanik Barin à Faran Asur, c'est Issur d'Oraïta. Donc si le din de Kolanik Barin à Faran Asur, c'est un din d'Oraïta, le din de Kolanik Srafin à Faran Moutar, Khoutz Meatze Hachera, c'est aussi un din d'Oraïta. Et si c'est un din d'Oraïta, Resh Lakish est coincé, d'où la question du Rajba. Maintenant, du coup, on peut répondre, nous, à la question du Rajba, en disant qu'on n'est pas d'accord avec le Rajba, et que tout ce din de Kolanik Barim et Kolanik Srafin, c'est un din de Rabbanan. Et si on dit que c'est un din de Rabbanan, alors le problème est réglé. Donc c'est assez sophistiqué. Mais donc, ce qui est intéressant à retenir, c'est d'une part la Sfarad de Resh Lakish, qui dit que si elle n'est pas capable de se défendre elle-même, elle n'a plus aucune valeur. Et puis ce din que Resh Lakish reconnaît que si c'est un juif qui brûle l'avodah zara d'un goy, eh bien elle reste, elle n'est pas battelle alors qu'elle devrait l'être, midrabanan, parce que on a peur qu'il fasse atba'a et que ça lui appartienne. Là, je crois qu'on a vraiment tout fait. Et donc on va pouvoir maintenant aborder la suite de la Gemara. Donc l'intertitre, Rabbi Yehuda Omer en Biur. Donc j'étais en train de dire que ça c'était, nous n'avons fait jusqu'à présent qu'une seule Mishnah du Perek Kol Sha'a. Et encore, on ne l'a pas terminé. Le commentaire de la... C'était pas une longue Mishnah. Hein. Donc regardez Dafkaf Aleph Amoud Aleph. Donc il y a 7 pages de cela. On avait vu Kol Sha'a Shemutar Lechol Machila Behema. On avait parlé du Issur Ana'a, on avait dit que tant qu'on peut manger, on peut tirer Ana'a. Et ensuite, on avait dit qu'une fois que le Zman est passé, on peut passer à Surbana'a. Puis on avait dit qu'on n'a pas le droit d'allumer avec du Hametz un four ou une cuisinière. Et là, on arrive maintenant à la dernière partie de la Mishnah. Alors, relisons la dernière partie de la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, En Biur Hametz El Asrefa. Rabbi Yehuda dit que le seul moyen de détruire le Hametz, c'est par combustion. Rappelons que la Torah a dit Ach bayom arishon tashbitu seor mebatecher. Donc tashbitu, ça veut dire vous éliminerez. Mais comment on élimine? Alors Rabbi Yehuda pense que le seul moyen autorisé par la Torah, c'est la combustion. Alors que les Chachamim omrim, pas du tout. Af mefarer vezore la ruach, il peut parfaitement l'émietter et jeter au vent. Omettil la yam, jetez-la à la mer. L'essentiel, c'est que ce soit éliminé, qu'on puisse pas le récupérer, mais ça n'a pas besoin d'être brûlé. Voilà le débat qu'il y a entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Rashi n'avait strictement rien dit là-dessus dans la Mishnah. Donc on a deux problèmes. Un, c'est quoi le débat entre eux? Deux, la halakha va être comme qui? Alors, il y a déjà un Tosfot. Le Tosfot d'Ibur HaMatril, El Biur Hametz El Asrefa, qui se préoccupe de nous donner la halakha. Mais comme il va faire appel à toutes sortes de notions qu'on va voir dans la suite de la Gemara, donc je prends juste date pour que vous me rappeliez, Nathanel me rappellera, que ce Tosfot-là, on l'a sauté. Et quand on arrivera à la fin du débat entre Rabbi Yehuda et Chachamim, on reviendra en arrière pour voir comment Tosfot dit quelle est la halakha. Et après, on verra aussi comment disent les autres Rishonim et jusqu'au Shulchan Aruch. Donc, puisque la question est de savoir comment on fait aujourd'hui. Enfin, nous, on sait concrètement qu'on a l'habitude de brûler. On brûle le Hametz la veille de Pessah. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est possède comme Rabbi Yehuda, ou ça veut dire qu'on est Mahmir comme Rabbi Yehuda? Donc, ça demande à être clarifié. Alors, on démarre la Gemara. Tanya. La Gemara apporte une braïta. Amar Rabbi Yehuda. En biu chametz el asrefa.
Voilà, cette braïta reprend les mots de Rabbi Yehuda, qui pense que le seul moyen de détruire le Hametz, la veille de Pessah, c'est par la combustion. Vehadin noten. C'est quoi din? Le raisonnement. Un Kal Vachomer s'appelle toujours dans la Gemara din, parce que c'est un raisonnement. Le raisonnement par excellence, c'est le raisonnement fortiori. Vehadin noten, le raisonnement le justifie. À savoir, c'est quoi le raisonnement? Uma notar, si déjà le notar. Alors qu'est-ce que c'est que notar? On l'a déjà vu précédemment. Notar, c'est un sacrifice qui a dépassé le délai prescrit par la Torah, soit pour le manger quand il peut être mangé, soit pour être brûlé quand il doit être brûlé. Si on a laissé passer le temps, des fois c'est un jour, une nuit, des fois c'est deux jours, une nuit, à ce moment-là, ça devient notar. Et qu'est-ce qu'il faut en faire? On n'a pas le droit d'en manger, celui qui en mange, il est chayav karet, comme on va voir. Donc, ma notar, si déjà notar, chez nous, le bali raé ou bali matse, où il n'y a pas de défense d'en posséder. Quelqu'un a fait du notar, il a fait faire du notar, c'est pas bien, c'est assourd, il a été ouvert le livre de l'autotir. Mais une fois qu'il a transgressé ce l'autotir, et que ça reste chez lui à la maison, il transgresse rien. Il n'y a pas d'interdiction de posséder. La seule interdiction de posséder dans toute la Torah, c'est pour le Hametz. Donc si déjà le notar, qui ne tombe pas sous le coup de la défense de posséder, ta'un srefa, mais néanmoins la Torah exige que le mode de destruction du notar soit exclusivement la combustion. Hametz, sheyeshno bebalira et balimatze. Donc le Hametz qui lui a en plus du fait qu'il est interdit à la consommation et au profit, mais en plus de cela, il a une défense de posséder qu'il est seul à avoir. Donc c'est plus grave. L'okol sheken shetaun srefa, a plus forte raison que lui il bénéficiera de la même mesure de sévérité et que le mode exclusif de destruction sera la combustion. Qui a Rashi? Non, il n'y a pas de Rashi. Donc voilà le raisonnement de Rabbi Yehuda. Alors, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Amroulo, les Chachamim lui rétorquent. Kol din she'ata dan trilato le'achmir ve'sofo le'akel enodin. Donc c'est une règle générale en matière de Kal Vachomer. Kol din, tout raisonnement a fortiori, she'ata dan, que tu appliques, trilato le'achmir, et qui au début vient nous dire que le raisonnement est qu'on doit se montrer sévère sur telle ou telle chose. Donc tout raisonnement que tu fais pour dire que ça doit tomber sous le coup d'une mesure de sévérité. Mais qu'on se rend compte que ta mesure de sévérité, elle finit par être une mesure de légèreté. Enodine, c'est plus un Kal Vachomer. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des mesures de sévérité qui n'ont de la sévérité que l'apparence. Mais que lorsqu'on on regarde les choses de manière approfondie, on se rend compte que ce qu'on croyait être une sévérité est une légèreté. Alors c'est plus possible, parce que le raisonnement me dit que on doit être sévère. Et si la mesure que tu appliques est une mesure qui finit par être légère, c'est pas possible. Alors reste à comprendre maintenant pourquoi ici la mesure de sévérité, c'est on ne peut que le brûler. Les Rahamim disent tu te débrouilles comme tu veux, tu le mets dans la mer, etc. On dit non, tu brûles, c'est une sévérité. Ils disent oui, mais cette mesure qui paraît a priori être une mesure de sévérité va s'avérer être une mesure de légèreté. Pourquoi? On continue. L'omatsa et sim le sorfo. Prenons un exemple. Il fait halakha comme Rabbi Yehuda. Il veut brûler son Hametz. Pour brûler le Hametz, il faut des allumettes, il faut du bois pour faire le feu. Il n'a pas de bois. Il n'en trouve pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, c'est tout ce qu'il peut faire. Yehé Yoshev ou Batel. Il va être obligé de rien faire. Puisque la Torah exige le seul mode de destruction agréé, c'est la combustion. Il n'a pas de bois, il ne peut pas le faire, donc il ne fera rien.
Va Torah Amra, Tashbitu Sor, Bibatechem. Alors que la Torah, elle semble dire, tu élimineras le levain de ta maison. Bechol Davar, Shataya Chol Ashbito. Si on écoute le verset, ça laisse entendre que si on ne fait pas ton raisonnement à toi, c'est avec n'importe quel mode. Donc c'est ton raisonnement qui va avoir pour conséquence qu'on ne brûle pas. Donc ce n'est pas une khumra, c'est une khula que tu fais. Ce n'est pas un raisonnement. Donc ton raisonnement tombe à l'eau. C'est quoi, je comprends pas. C'est quoi ce raisonnement de Khamim? Alors on va dire, peut-être on va voir Rashi d'abord. Moi je le comprends, mais voyons déjà Rashi. Kol din she'atadan, she'mitchilato, atadano, que de l'achmir alam. Au début du raisonnement, tu raisonnes en vue de lui appliquer une mesure de sévérité. Chare chamuru, puisqu'il est plus grave. Comme ici, il a balire et balimassé. Vata mevilo chomer acher. Et donc, pour marquer cette sévérité, tu vas lui rajouter une autre mesure de sévérité, que de kamrat, comme tu l'as dit. Chamet shiou bebalira e. Donc la première sévérité, c'est que le chamet, il tombe sous le coup de l'interdiction de posséder. Et donc du coup, tu m'as dit « Endin chez Taoud Srefa ». N'est-il pas logique d'admettre qu'on ne peut que le brûler? Oui, « Vesofo » n'empêche qu'à la fin, « Nimtsa » il s'avère « Chez Chomer, chez Atamosif Alav » que cette mesure d'aggravation que tu as rajoutée sur lui, « Gorem lo le hakel » elle va avoir pour conséquence une mesure de coulante. Et donc tout raisonnement de ce type qui se présente pour amener une mesure de sévérité et qui au bout du compte amène une mesure de légèreté, enodine, ne vaut rien. C'est pas un raisonnement. Pourquoi c'est pas un raisonnement? Rashi, share adin me l'amène chez Yechamo. Le raisonnement nous dit qu'il est plus grave. Vareyou mekilo, et maintenant tu es plus coulant. C'est pas possible. Pourquoi il est coulant? T'es ouvert. D'après Rabbi Houda. Non, je suis pas ouvert. Tu fais pas. Je suis à l'ous, Rahamana Patré. J'ai pas de bois, c'est pas de ma faute. Je suis dans un endroit où il n'y a pas de forêt, il n'y a rien. Et il y a la guerre en Ukraine, il n'y a pas de bateau, il n'y a rien, j'ai pas. On ne parle pas de quelqu'un qui est responsable. On parle de quelqu'un qui n'en a pas. On ne peut pas lui faire un procès qu'il aurait pu en avoir. Alors il n'est pas tout. Rahamana Patré. À l'ous, Rahamana Patré. Alors que si tu dis comme le Rahamim, eh ben il le jette à la mer. Donc ta khumra, elle devient une kula. Une khumra qui devient une kula, c'est pas une khumra. C'est pas. Dans un cas comme ça, si c'est un ous, oui. Rabbi Houda, il serait d'accord de dire que dans ce cas-là, bien qu'il ait. Non, mais non. Mais non, puisque la Torah, en taoné la srefa. C'est que ça. Voilà. Autre chose, ça vaut rien. Ça, autre chose ou rien, c'est pareil. Donc apparemment, les Chachamim ont le dernier mot. Non, mais peut-être. Mais c'est pas sûr en vérité, parce qu'on pourrait. Là, il y a ici une petite incertitude. On va voir que Rabbi Houda va reprendre la parole et il va aller dans un autre raisonnement. Mais on n'a pas clairement la preuve que Rabbi Houda dit « Ah oui, vous avez raison ». Peut-être que Rabbi Houda dit « Moi, je suis pas d'accord avec vous ». Mais bon, vous acceptez pas mon raisonnement, qu'à cela ne tienne, j'en ai d'autres des raisonnements. Mais donc là, il y a une incertitude, et je dis ça en introduction à ce qu'on verra beaucoup plus tard. Je suis pas d'accord avec vous dans le sens où je suis pas d'accord avec cette sfara. Avec cette sfara, exactement. Moi, je maintiens mon dîme. Voilà. Mais si vous voulez pas, moi, j'en ai pas grave, j'en ai d'autres. Donc, ou ça, ou bien, ah oui, vous avez raison, j'ai pas pensé à ça. Donc il faut essayer de retenir ça pour la suite. On continue. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara? Chazar Rabbi Houda v'dano din acher. Alors Rabbi Houda a recommencé et il a proposé un autre raisonnement. Dano din acher. Ah, on l'a pas fait? Ah mais oui. Ah mais oui, vous avez raison, merci beaucoup. Regardons, alors il restait à Rashi. C'était quand les Chachamim avaient dit Sheim lo yimtzait, Sheim lo matzait, Simim yeshev yivatel. S'il ne trouve pas de bois, alors comment
L'homme a ça et si le sort, yo, chef ou bâtel, s'il ne trouve pas de voie, il va rester à ne rien faire. Vite, Mia, il faut lire ça avec interrogativement. Alors maintenant, Rachid rajoute quelque chose. Afalgav de Amrina me perek kama, bien que nous ayons dit dans le premier perek de Psachim, le Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, aval be sha'at bi'uro ashbatato b'chol davar. Que Rabbi Yehuda, quand il a dit, vous avez peut-être remarqué que j'ai expliqué, Tashbitu, c'est écrit Ach Bayom Arishon, c'est-à-dire le 14 Nissan, pendant toute la journée. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Rachid nous dit que dans le premier Perek, on a dit que au moment où arrive l'heure finale de destruction, c'est quand? C'est le moment où on n'a plus le droit de le posséder. C'est-à-dire c'est à Chatzot, exactement à Chatzot. Au moment où arrive Chatzot, Ashbatato Bochol Davar. Là, Rabbi Yehuda reconnaît qu'on pourra le détruire n'importe comment. Gabé Plouktaïou, au sujet de leur débat avec les Chachamim. Alors, je ne suis pas allé voir de nouveau, mais ce que j'ai vu dans les Mefarshim, que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. C'est la Chita de Rashi. Donc, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça et qui pensent que Rabbi Yehuda, lui, il pense toujours qu'on ne peut faire que Biouchabet Salastrefa. Mais Rashi le Chitato a expliqué dans le premier Perek que toute la machloquette qu'il y a entre les Chachamim et Rabbi Yehuda, comment on se débarrasse du Chametz, c'est avant l'heure de défense du Chametz. C'est comme nous, quand on détruit le Chametz, on le détruit quand il est encore, en tout cas, permis au profit. Et en tout cas, pas à sourd d'Oraïta. Et c'est donc, on avait eu Orlin Kol Arba, Tolin Kol Chamech, Sorfim Bitrila Tchèche, au début de la sixième, une heure avant Chatzot. C'est là que nous, on brûle. Midoraïta, c'est pas encore l'heure du Biour. C'est là qu'il y a la Machloket et c'est là que nous, on brûle, comme Rabbi Yehuda. Mais une fois qu'on arrive à midi et plus, si on n'a pas encore brûlé, là, Rabbi Yehuda reconnaît qu'on peut brûler n'importe comment. Alors Rachid dit, je comprends plus. Alors, le raisonnement qu'on a fait ne tient plus. Les Rabbanan disent, s'il n'a pas de bois, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, c'est pas grave. S'il n'a pas de bois, il attend l'heure du biour d'Oraïta, et après, il applique la règle de Tashbitu comme tout le monde. Donc la question, on ne la comprend plus. C'est le problème que Rachid soulève. Encore une fois, Afalgav d'Amrina le Père Kamal, le Rabbi Yehuda, Aval Beshat Biuro, Ashbatato Bechol Davar, Gabe Plouktaïou, Mia Kulahi. Quand même, le raisonnement reste valable, à savoir que le fait d'exiger avant le Zman du Biour que ce soit brûlé et rien d'autre, ça peut s'avérer être une Kula dans le cas suivant. Bemi, Shiurotse, Latset, Besheyara. Alors là, il faut enlever le O. Betorchloshim. Mi, Shiurotse, Latset, Besheyara, Betorchloshim. Quelqu'un veut quitter sa maison parce qu'il y a une caravane qui s'en va. Ils vont aller certainement passer Pessah dans des séjours organisés, c'est ça. Et donc, ils partent largement avant Pessah. Dans les 30 jours, de Amrinan, Zakouk Levaer, là-bas, la halakha est que comme il ne va plus être là au moment du biour, puisqu'il sera parti, il a l'obligation d'être Mevaer au moment de son départ. Mais au moment de son départ, selon Rabbi Yehuda, il n'a pas le choix. La seule méthode préconisée par la Torah, c'est la combustion. Donc dans ce cas-là, s'il n'a pas de bois, ben il va partir sans rien faire. D'Amridan, Zakouk Levaer, Kshel Etzim le Sorfo, lorsqu'il n'aura pas de bois pour le brûler, Yehi Yoshev ou Batel, il va devoir effectivement rester passif, Velo Yevarenu, et il ne le détruira pas. Donc Rachid s'en est sorti. Donc si on ne dit pas comme Rachid, le problème n'existe pas. Mais Rachid avait un énorme problème en disant, mais selon Rabbi Yehuda, une fois qu'on arrive au Zman, il peut faire n'importe comment. Alors on dit, oui, on parle de quelqu'un qui est obligé de brûler son Chametz avant le Zman. C'est pourquoi? Parce qu'il va quitter, en caravane avant. Il y a un autre cas qui est rapporté par le Rechash. Certains le font rentrer dans Rachid. C'est Yesh Magi'im. O a osé et beto otsar
Betor Shloshim, Ose Beto Otsar, c'est-à-dire qu'il il décide de mettre sur tout ce qu'il a dans la maison, il fait un énorme, une montagne de tout ce qu'il a dans la maison. Et donc après, au moment où arrivera Pessah, c'est impossible d'ouvrir, de sortir pour ressortir le Hametz. Et dans ce cas-là, il doit détruire le Hametz avant. Et c'est pareil. Et s'il n'a pas de bois, pour brûler, ben alors il fabriquera sur sa montagne de détritus et puis il pourra plus rien faire. Donc il y a ces deux cas-là où la Khumra devient Kula. Donc on revient sur le deuxième raisonnement de Rabbi Yehuda. Chazar Rabbi Yehuda vedano din acher. Alors Rabbi Yehuda est reparti à l'attaque et il a dit, bon, vous ne voulez pas mon premier raisonnement, j'en ai un autre pour vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Notar asur b'achila. Vechametz asur b'achila. Il y a déjà un point commun entre le notar, le sacrifice qui est resté hors des limites de temps, et le chametz. Une fois que Pessah est rentré, ben, ils sont tous les deux interdits à la consommation. Ma notar besrefa, aframetz besrefa. Du coup, on va raisonner par analogie et on va dire, de la même façon que le notar qu'on n'a pas le droit de manger, la Torah dit tu le brûleras, ben, le chametz aussi, on n'a pas le droit de le manger, donc il faut le brûler. Là, c'est plus un kalvachomer. Alors là, c'est plus un kalvachomer. C'est quoi, a priori? Un binyanav. Un binyanav. Et dire ça marche aussi pour un binyanav. Oui, parce que c'est toujours un raisonnement. Ah oui, c'est vrai. Alors, j'ai toujours dit qu'un kalvachomer, c'est un binyanav renforcé. Amroulo. Alors là, évidemment, l'objection, elle coule de source. C'est pas difficile à trouver que cette règle, elle n'est pas absolue. Ils lui ont dit, nevela tochia. Ben, je peux te prouver par la nevela qu'il n'y a pas de règle comme celle que tu es en train de me dire. La nevela, donc c'est l'animal qui est mort sans shrita. Tochiach, elle va prouver que ton raisonnement est faux. Shasura bachila, on a vu que la Torah disait l'otochlu qu'on levait là, on n'a pas le droit de manger. Venatu nasrefa, on a vu nulle part que la nevela, il faut la brûler. Donc c'est pas parce que c'est asur bachila que ça devient asur bana. Il n'y a pas besoin de se débarrasser du nevela. Là, on a dit, tu es obligé de le brûler. Puisque c'est asur bachila, tout ce qui est asur bachila, c'est asur et ça fait srefa. Il n'y a pas la route. Alors, non, évidemment, alors il n'a pas fini son raisonnement. À Marlène est fraîche. Il dit non, mais attends, il y a quand même une différence. C'est-à-dire, j'ai pas terminé. Notar asur b'achila ou b'ana'a. On peut affiner. Quand j'ai comparé le notar au chametz, parce que le notar, non seulement il est assour à la consommation, mais aussi il est assour au profit. Le chametz également, asur b'achila ou b'ana'a, interdit à la consommation et au profit. Du coup, on va à nouveau donner cette règle. Manotar taun srefa, aframetz taun srefa. Donc là, on peut dire que ce qui est assur, b'achila bana, il est taun srefa automatiquement, par l'imout de notar. Alors les chachamim ne sont pas encore. Ne se sont pas pourbattus. Amroulo, shoraniskal yochia. Ah ben, je vais te montrer encore une fois que ton raisonnement est faux. On a déjà parlé plus haut du taureau qui doit être lapidé parce qu'il a tué un homme ou une femme. Quel est son statut? Yochiar, il va prouver que ta règle est fausse. Chassour b'achila, ou b'ana'a, on n'a pas le droit de le manger, on n'a pas le droit d'en profiter, exactement comme Chametz et Nota. Ve'enota unsrefa, et pour autant, on n'a pas à le brûler. Donc tu vois que ta règle est fausse. Amar la haine est fraîche. Elle dit non, mais quand même, c'est pas pareil. Notar, donc il le fait en fait par touche progressive. Il a l'air de se moquer d'eux enfin, un petit peu. Notar asur b'achila, ou b'ana'a, ve'anush karet. Celui qui en mange, il est passif de la peine de karet. Chametz asur b'achila, be'ana'a, ve'anush karet. Le chametz, pareil, les trois qualité, interdiction de manger, de profiter, et sanction de karet. Manotar besrefa, aframetz besrefa. Et là, on peut dire que on extrapole par rapport à la srefa. Et tu ne peux pas m'attaquer avec le shor aniskal. Pourquoi? Parce que le shor aniskal n'est pas un ouche karet. Amroulo, chelbo shel shor aniskal yochia, qu'à cela ne tienne.
On va prendre l'exemple dans le Shor HaNiskal, c'est un taureau. Il y a de la graisse interdite. Quel est le statut de la graisse qu'on a prélevée sur un Shor HaNiskal? Chez Asur Bachila, comme c'est du Chélev et que c'est un Shor HaNiskal, il sera de toute façon pour deux raisons Asur Bachila. Be'ana'a, ça c'est pas Mitzad Chélev, c'est un Shor HaNiskal. Shor HaNiskal et Asur Bana'a. Par contre, le Chélev en général, la Torah dit, le Chélev Nevela, le Chélev Terefa, Yassé le Chol Melacha, va Chol Otoklou. Ve'anush Karet. Et ils sont donc le chélev du Shor HaNiskal, il a karet parce que c'est du chélev. Ventaout strefa. Et il n'y a toujours pas de strefa. Et ça s'arrête là. Et nouveau, Rabbi Yehuda n'a plus le dernier mot. Alors, il y a un Rashi. Alors j'hésite. Oui, on va faire le Rashi parce qu'on va bientôt arrêter le cours. Et il faudra revenir sur ce dernier passage. Il faudra revenir parce qu'il y a. Très bonne question du Kovet Shiurim. Mais d'abord, on va faire Rashi. V'dano din acher, she'eno kal vachomer, el akzera shava. Alors là, c'est une bombe là. Rashi nous dit, c'est pas un kal vachomer. Nous, on a dit, c'est un binyanav. Ça, c'est assour, ça, c'est assour, b'achila, b'ana'a, pas akzera shava. C'est quoi akzera shava? C'est une déduction fondée sur une analogie de termes. On n'a pas du tout mentionné ici l'akzera shava. Donc, Eno Kalva Chomer et la Xera Shava. Rachid nous dit non, c'est une Xera Shava. Ou Ben Okula, ou Ben Okumra, Batra Azlidan. Et si on a une Xera Shava, du coup, tu ne peux plus me faire la question oui, mais ta Khumra, ce n'est pas une Khumra, c'est une Kula. Quand c'est une Xera Shava, il n'y a pas de question Kula, Khumra, ce n'est pas le problème. Le problème, ce qui a été dit sur A, on le transpose sur B. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas attaquer? De Xera attaque à tout vous. Parce que c'est un décret divin. Donc c'est pour ça qu'il a pris ce nouveau raisonnement, parce que là il a une Xera Shava. Alors c'est très difficile, c'est stupéfiant, on n'a pas vu de Xera Shava. Alors c'est vrai que Rashi avait un problème, parce que si c'est pas une Xera Shava, si c'est un Binyanav, on peut de nouveau casser en disant mais ta Kumra, là c'est une Kumra, là c'est une Kula, on peut en casser de nouveau. Alors Rashi avait dit non, c'est une Xera Shava, mais la Xera Shava. On la voit pas, ou on la voit pas. Alors, regardez le Rechash. Il permet d'aller jusqu'à 5 ans parce qu'on a commencé à 5 ans. Regardez le Rechash. Sur Rashi. Rashi Diburabatrim veut Dano Dinacher et l'Axerashava. Lav Dafka. Il est incroyable. Rashi nous dit que Xera Shava, il dit non, ce n'est pas à prendre stricto sensu. Chez Eno et là, Bebabatsinu. En fait, ce n'est qu'un Babatsinu. C'est incroyable. Rashi nous dit que Xera Shava, il dit non, ça veut dire Babatsinu. Va ayen betsa yud bet amud bet, be mishna ou berouch Rashi. Va voir dans Betsa, page 12b, dans la Mishnah et dans Rashi. Je suis allé voir. Qu'est-ce qu'on parle là-bas? Là-bas, il y a écrit dans la Mishnah Xera Shava. Et Rashi dit Lav Davka. Quand la Mishnah a dit Xera Shava, c'est Lav Davka. De Kula Midrabalan Gazur. Parce que là-bas, tous les dîmes ont-ils les questions. Il s'agit de savoir ce qu'on peut porter comme nourriture, apporter comme nourriture à son ami le jour de Yom Tov. C'est des problèmes de Rabbanan. Et si on peut prélever les troumottes et les masrottes, etc. Alors, ça n'a rien à voir avec Xera Shava. Alors, Rashi dit, ce n'est pas à prendre au sens strict, c'est Midrabanan. Et la Doumia de Xera Shava Midrabanan, quand la Mishnah parle de Xera Shava, elle dit, ça ressemble à une Xera Shava, mais sur un dîme de Rabanan. Il a l'air de vouloir dire que le recherche, que c'est ce que Rashi veut dire ici aussi. Qu'en fait, il a dit Xera Shava, mais ce n'est pas une vraie Xera Shava, c'est Xera Shava de Rabanan. Mais c'est pélé, parce que Rashi a dit, ou Xera Takatubu, mais la Kula, mais la Khura. Donc ça n'a rien à voir avec le Rashi là-bas. Et puis là-bas, c'est la Mishnah qui dit Xera Shava, il fallait bien que Rashi s'arrange avec. Mais que Rashi emploie un terme qui est inadéquat, c'est incroyable. Donc vraiment, ce Rechash, il est stupéfiant. J'ai vu dans le Pnei Yehoshua que lui, il dit qu'il y a une marque qui est entre Rashi et Tosfot. Rashi dira que Tosfot dira que c'est un Binyanav, et Rashi dira que c'est un Xera Shava. Mais il n'en dit pas plus.
Alors où est la Xera Shava? Je vous fais une proposition, j'en sais rien. J'ai rien vu nulle part, mais j'ai simplement j'ai regardé les psukim. Il me semble qu'on peut faire une Xera Shava très simple, parce qu'il y a écrit dans le l'otar pour les milouim, il y a écrit Lo ye achel ki kodeshu. On n'en mangera pas parce qu'il est sacré. Lo ye achel. Et pour le chametz, il est dit Velo ye achel chametz. On ne mangera pas du chametz. Donc il y a Lo ye achel velo ye achel. Peut-être c'est ça. C'est ce que je propose. Et donc, en tout cas, on retiendra que d'après Rashi, c'est une Xera Shava. Peut-être qu'il y a d'autres termes qui sont communs. Alors Rashi n'est pas rentré là-dedans. Ou alors que c'est à ça qu'il pense. Et Tosfot dira que c'est à Mamatsilou. Ça, on verra la prochaine fois. Pardon ? Xera Shava, c'est parce qu'on a appris d'un maître et d'un maître. Alors, ça, c'est une autre question. Est-ce que Adam d'un Xera Shava Meatsmo, c'est Marco Ketanaïm ? Ça ne change rien. Rabbi Yehuda, il a le droit de faire une Xera Shava. Soit qu'il a la Kabbalah de ses maîtres, il y a une Xera Shava, soit qu'il l'a fait de lui-même.